just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I want to be, only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace the racist. We under, I wonder what it takes to make this. J'espère que le confinement se passe bien. J'espère que tu vas bien, toi qui as regardé mes vidéos la dernière fois. Voilà, je ne sais pas par où commencer. J'ai eu des suites par rapport aux vidéos que j'ai diffusées. Donc la première qui expliquait un petit peu ce dont j'allais parler. La deuxième qui est un court-métrage, entre guillemets, un petit court-métrage sur quand une femme a des enfants et sur le sentiment. Voilà, que j'ai voulu développer à travers ce court-métrage, avec l'aide de mes enfants. Et le troisième, c'était une espèce de performance, en fait, avec mes enfants. J'ai eu un flash, et j'ai voulu expérimenter ça avec eux, et c'était une très très belle expérience. Donc c'est l'épisode 2, je le conseille, non c'est l'épisode 3. Voilà, j'avais pas marqué, je vais le marquer, c'est l'épisode 3. Et je conseille à tous les parents de le faire parce que ça m'a permis de voir et de me conforter dans l'idée que les enfants nous voient tels que nous sommes. Donc c'est un exercice amusant, facile à faire puisque vous mettez un petit peu tout ce que vous trouvez pour que les enfants puissent vous habiller, vous maquiller. Et le résultat était assez sympa. Voilà, donc... Pour faire suite au message, donc je vous remercie énormément en fait de vos retours. J'ai eu beaucoup de retours de femmes à qui, surtout l'épisode 2 sur quand une femme a des enfants, à qui ça parlait. Ça parle encore. Merci énormément de vos messages de soutien pour que je continue, pour qu'on en parle, pour qu'on puisse crever l'abcès carrément. Et par rapport à ça, je me suis dit non, là je vais faire une vidéo parce que j'ai vu pas mal de choses cette semaine qui m'ont questionné et j'ai envie d'en parler tout simplement et d'ouvrir encore plus le débat. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques jours, je pense 2 ou 3 jours, j'ai fait une discussion téléphonique avec la Chippy qui retrace un petit peu mon ressenti en tout cas et ce que j'ai pu traverser en étant mère, en étant enceinte, après mes grossesses, en me retrouvant seule, bref, la violence verbale, tout simplement. Je vous conseille vraiment, vraiment d'écouter cette discussion et de la partager, parce que je ne m'étais pas rendu compte, jusqu'à, je pense, il y a à peu près un mois, de l'importance, en fait, de parler de tout ça, de toutes ces choses qui nous agressent au quotidien, finalement. Donc, je ne parlerai pas... Là, je parlerai précisément de notre statut de mère et de femme. Il y a d'autres types de violences, mais là, je parle de quelque chose de spécifique. Je vous conseille vraiment donc de l'écouter, de partager, de nous donner votre avis, vos commentaires, dans le plus grand respect, bien sûr, et parce que c'est une réalité. C'est une réalité qui, à mon sens, gangrène énormément de choses. Je vais parler de notre culture, je vais parler de notre pays et je vais rentrer dans le vif du sujet carrément. Donc pour retracer l'histoire, je suis donc mère de famille de 4 enfants que j'éduque, je vis avec eux seule depuis bientôt 6 ans. Ça a commencé comment? J'ai eu ma première en 2009. Et le père de ma fille est parti pour chercher du travail en 2010. Et donc c'est très peu de temps après que sa mère m'a contacté en fait pour m'annoncer qu'il m'avait quitté. Qu'il était parti en fait pour me quitter. Donc il ne me l'a pas annoncé lui-même. Donc je sais que je ne suis pas la seule à le vivre, mais moi j'aurais aimé parler de ce qu'on ressent à ce moment-là.
Ça a été la douche glacée pour moi. Ça a été une sensation très particulière, hein, parce que je suis restée statique en fait. Je n'arrivais plus à bouger parce que nous ne nous sommes pas parlé avant qu'il parte. Il était question que j'aille le rejoindre avec notre fille et que nous puissions continuer notre vie ensemble. Il y a eu des échanges et donc je n'ai pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là, bien que l'entente n'était pas très très bonne, hein, depuis un petit moment. Mais le fait que ce soit sa mère qui me l'annonce, ça a été déjà un premier choc. Bon, 2010, je me retrouve donc seule avec ma fille et je décide de revenir en Martinique. Le temps passe, les mois passent, je rencontre quelques d'autres, un autre homme. J'ai eu énormément de mal, vraiment, à m'investir dans cette relation au départ parce que la société nous demande de faire attention, d'être parfaite. Donc, je sentais que j'avais une pression, une espèce de poids sur mes épaules. J'avais décidé, et je l'avais, en fait, je l'avais dit d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, que je n'allais pas refaire ma vie. Je n'allais pas refaire ma vie parce que c'était pour moi insupportable d'avoir cette idée que je sois seule avec un enfant, avec ma fille, alors que ce n'était pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que j'espérais, tout simplement parce que je pense, hein, je dis tout simplement, parce que j'ai un modèle familial, mes parents sont mariés depuis plus de 40 ans, et que j'aspirais à ce modèle. Voilà, j'ai grandi dans ça, dans avoir une mère à mes côtés, avoir un père à qui je peux parler, je me réveille, je vois mon père qui me dit bonjour, il va au travail, il nous dit au revoir, il nous embrasse. J'ai connu ça en fait, l'amour des deux parents dans un foyer. Donc c'est vrai que je ne m'attendais pas, je n'étais pas préparée à ça, mais du tout. En fait, on ne nous prépare pas à ça, que éventuellement ça peut ne pas bien se passer et que tu peux te retrouver seule avec tes enfants. J'étais pas prête à ça du tout. On ne m'avait pas préparée à ce genre d'éventualité. Donc, c'était très très lourd à porter parce que vis-à-vis de ma famille, j'avais honte, carrément. J'avais honte d'avoir échoué, en fait, de me retrouver sans famille, sans construction familiale, sans base en fait. Pour moi, ça c'est un roc. Du moment que tu as ta famille, moi c'était ma conception des choses, en tout cas à l'époque. Donc cette pression que la société nous met, nous les femmes, vis-à-vis de ça, il y a tous les apports de la religion également. Il faut pas faire d'enfants avant le mariage, qu'il vaut mieux se marier, il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir une maison, en fait. Tout ça, tout ce qui constitue la réussite met une pression énorme parce que finalement, je suis rentrée dedans, je suis rentrée dans cette cage, j'ai voulu rentrer dans ce moule et je me suis complètement pété les dents finalement. Je me suis pété les dents puisque la deuxième fois, donc je me dis finalement, je me laisse aller à l'amour, je me dis ah. Je regarde comment ça se passe parce qu'il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, il faut regarder comment ça se passe, l'approche avec l'enfant. Et moi, je n'avais pas de réserve en fait. Je n'avais pas de réserve à l'époque parce que je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un de sincère. Et que l'amour pour moi, ça devrait être simple. Tout simplement. Voilà, ben je t'aime, tu m'aimes, ah, ben c'est super, on y va. Faisons notre vie ensemble. En fait, pour moi, à l'époque, c'était ça. C'était d'une simplicité. Et je me suis rendu compte que non. Donc, deuxième fois, deuxième essai. Je me retrouve enceinte de jumeaux. Donc, j'ai accouché de mes jumeaux en juin 2012. En janvier 2013, j'apprends que je suis enceinte de ma dernière. Donc, il faut savoir que j'étais très très heureuse d'être enceinte, de savoir que j'allais être maman. C'est quelque chose qui m'a toujours appelée, qui m'a toujours
portée de savoir que j'allais voilà, que j'allais donner naissance, que j'allais voir grandir un petit être. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc à la base, il faut savoir, je l'ai dit, mais je le répète, je voulais une famille de 12 enfants, hein, les familles à l'ancienne. Et j'ai été confrontée à ce regard des autres, ce regard qui bouleverse, qui étourdit, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu n'as pas le droit de faire plus d'un enfant, peut-être, ou à partir de deux, on se pose des questions sur ta personnalité, à partir de trois, en fait, tu as interné. Ce qui est bizarre, quand même, dans ce que je dis, c'est que quand une femme n'a pas d'enfant, on lui demande, c'est pour quand l'enfant? Quand une femme a un enfant, on lui demande, c'est pour quand le deuxième? Quand une femme a deux enfants, on lui dit, tu vas faire un petit dernier, et à partir de quatre, on lui demande, tu connais la contraception, tu vas t'arrêter un moment ou... Je trouve ça extrêmement bizarre de se mêler de la vie des gens comme ça. En fait, ça m'a posé question parce que je me suis dit, mais quand tu t'occupes de la vie des autres sans savoir si ils sont heureux ou pas, s'ils sont épanouis dans ce qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce que tu cherches à faire concrètement, en fait? Quand tu te mets dans la vie, dans la sexualité, dans la parentalité, dans l'intimité des autres, qu'est-ce que tu cherches à faire? C'est une question que je me pose jusqu'à maintenant. Nous avons chacun des choses à réaliser, à entreprendre, nous avons des objectifs. Et comment ça se fait qu'il y ait certaines personnes qui aient le temps de se soucier de la vie des autres? Et sans savoir si effectivement cette personne-là est heureuse ou pas. Et j'étais très heureuse. Je le suis toujours d'ailleurs, heureusement. Donc j'ai été confrontée à ça, à cette espèce de réticence, cette violence verbale, voilà, ce mur où en fait l'enfant est catalogué comme une dépense financière. Une femme qui, à partir de trois enfants, est traitée de cafteuse, de cassos. C'est d'une violence sans nom. C'est-à-dire pour des mères de famille recevoir ça, et je vois que personne n'en parle en fait. Personne n'en parle, c'est devenu, je ne dirais pas que c'est un tabou, c'est devenu tout à fait normal d'être dans la violence verbale en fait, envers les mères de famille. Or, nous éduquons les futurs petits hommes de demain. Donc, c'est un cercle. Si tu me donnes de la violence, je reçois de la violence, donc je reçois de l'énergie, une énergie qui n'est pas positive, on est d'accord, c'est une énergie agressive. Qu'est-ce que je retransmets? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Est-ce que quand tu fais ça à quelqu'un, la personne à qui tu le fais va transmettre de l'énergie positive? Donc c'est un cercle, en fait ce n'est même pas un cercle, c'est une transmission. C'est une transmission qui ne se finit pas, puisque tu donnes de la violence, je donne de la violence, et les enfants même vont donner de la violence. Et ça, on ne l'a pas encore compris, en fait. De la même manière que qu'on peut ou que tu peux détruire par tes mots, par ta façon d'agresser les autres, tu peux guérir aussi. Donc au lieu de parler et de dire tout de suite ce qui vient comme une réaction et donc pour moi comme une espèce de pensée animale, nous avons un cerveau, réfléchissons avant de parler. Réfléchir avant de parler, ça amène quoi? Ça amène moins de problèmes, ça amène de l'apaisement et de la sérénité. C'est tout bénef en fait, tout bénef. Voilà, ça c'est déjà une première partie au niveau des mots parce que je pense que j'aurai le temps de raconter. J'ai tellement d'exemples en tête qui vont, je pense qu'ils vont venir au fur et à mesure. C'était très compliqué à apprendre parce qu'en fait, quand le mot, quand ces choses-là arrivent, qu'est-ce que ça fait? Ça va directement se loger dans la poitrine,
Ça fait une espèce de boule, ça crée de l'angoisse et puis ça se nourrit parce que tu ne sais pas toujours comment répondre tout de suite. Donc tu rentres chez toi, tu rumines et tu te dis, ah, un jour après, 2 jours après, 3 jours après, une semaine après, ah, j'aurais dû répondre ça. En donnant comme ça de cette énergie, tu crées des choses catastrophiques. Pour continuer sur mon histoire, donc je me retrouve en octobre 2013, maman de 4 enfants. Voilà. Une grande fille, des jumeaux, une fille et un garçon. Et ma dernière, je suis hyper heureuse parce que voilà, je suis entourée de l'homme que j'aime. J'ai mes enfants, tout va bien. Même si il y avait déjà des petits soucis, et je vais en parler de toute façon. Et juillet 2014, il m'annonce, ou un petit peu avant, il m'annonce qu'il doit partir, hein, sur Paris pour finir ses études. Tu sais, je suis pour la construction de chaque être. C'est-à-dire que pour être bien avec quelqu'un, il faut déjà être bien avec soi-même, c'est-à-dire construit. Et donc, c'est quelque chose pour moi, qui a été naturel de lui dire, vas-y, construis-toi. Tu reviendras fort et donc la famille sera plus forte et nous pourrons avancer. Finalement, les mois passent, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, la petite sensation, la petite boule, mais on n'écoute jamais cette l'intuition-là, la petite voix, on se dit toujours, mais non, c'est pas ça, oh, mais non, écoute. Donc finalement, je n'écoute pas cette voix, je me dis, mais non, tais-toi, tais-toi, ça va aller, ça va aller. Finalement, juillet, il me contacte pour me dire qu'il ne rentrera pas, qu'il n'a pas passé ses examens, non, c'était en juin, pardon, qu'il n'a pas passé ses examens, et finalement, qu'il rentrera en septembre. Le souci, c'est que ça faisait plus d'un an que je lui avais parlé de voyage à New York que je devais faire pour aller prendre des stages. C'était mon rêve. Je suis danseuse, je suis artiste. Le rêve de tous les danseurs, c'est d'aller à New York et de prendre des cours en pagaille et de danser, danser, danser et de revenir épuisé. Donc, nous avions organisé ce voyage-là, un ami danseur et moi-même. Et donc, il devait revenir pour s'occuper des enfants. Pendant que moi, puisque ça faisait un an que je m'occupais des enfants, presque un an, pour moi c'est normal, c'est un partage. Je t'ai laissé partir, j'ai pris la charge des enfants, ben, tu peux revenir. Maintenant, je vais vivre un bout de mon rêve aussi, etc. Bref, il m'annonce qu'il ne rentrera pas. Vous savez, c'est quelque chose qui ne m'a pas bloqué. Je me suis dit, cette épreuve ne doit pas m'empêcher de réaliser mon rêve. Du tout. Du tout, du tout. Absolument rien ne doit m'empêcher de réaliser mon rêve que j'ai préparé. Et forcément, je ne savais pas quand j'aurais pu revivre une telle chose. J'ai décidé de partir. Je me suis organisée. Ça veut dire que j'ai une amie qui est restée tout ce temps-là avec mes enfants. J'ai fait les courses avant de partir. J'ai réglé tout ce que j'avais à régler pour partir à ce voyage où je suis restée pratiquement, je crois, 2 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, d'accord, à New York, où j'ai pris des stages, où tous les jours j'appelais mes enfants, où j'étais en visio avec eux. Enfin, bref, je m'étais organisée pour que je puisse voir mes enfants et les sentir, les entendre. Et en même temps vivre mon rêve. Et ça, c'était important pour moi. Pourquoi? Parce que apprendre à mes enfants que ce n'est pas parce que je suis mère que je ne peux plus vivre mes rêves, c'était important pour moi. Parce que j'aurais aimé que mes enfants plus tard ne se soucient pas de savoir, oui, mais maman est en train de veiller ou je veux rester avec maman. Non, 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 j'en maille. On va aller. Tu veux faire quoi? Tu veux aller vivre en Russie? Vas-y. Tu veux faire quoi? Tu veux être guitariste dans... Vas-y, travaille chérie, vas-y, vis ton rêve.
J'ai envie comme j'avais envie, cette envie depuis avant d'être mère, hein, de véhiculer ça à mes enfants. Vivez votre rêve, les enfants, parce que ben si, sinon tu vas arriver quoi? Tu vas arriver à la retraite et puis tu auras des regrets. Tu vas dire, ah, si je savais, j'aurais fait ça. Si je savais, j'aurais mis telle robe à l'époque. Ah, j'avais un joli petit corps. Ah, mais en fait, et j'ai été confrontée dans ce processus. Pourquoi? Parce que en lisant des études, par exemple sur les personnes âgées ou les personnes qui sont en maison de retraite, qui sont proches de la mort, etc., leur plus grand regret, c'est ça, de ne pas avoir réalisé ce qu'ils avaient envie de faire. Ils n'ont pas pris le risque de sauter. Pourquoi? Parce que ben, la famille disait non, parce que ben, tu sais, il y a un cadre, il y a un moule à respecter, et qu'au bout d'un moment, ben, les gens te disent non, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu as des problèmes. Mais en fait, concrètement, si on écoute les gens, on ne fait absolument rien. On reste dans un petit cadre. Alors, cadre là pas très très grand, cadre là tout petit, et faut qu'on rentre en dedans et rester à dedans. C'est quelque chose qui me dépasse, vraiment. Parce que chaque personne a une personnalité, chaque personne est unique, chaque personne a un vécu, des tristesses et des bonheurs qui sont complètement différents. Et pourtant, on voudrait qu'on soit pareil et qu'on rentre dans un même petit cadre. Non? Tu as envie d'aller faire de l'escalade? Va faire de l'escalade. Tu veux faire du saut en parachute? Vas-y. Mais à trop écouter les autres, on finit par ne rien faire. Et plus être à leur merci et faire comme ils ont envie qu'on fasse, finalement, ils ont envie qu'on soit d'une façon, allons nous café comme ça. Mais finalement, tu suis automatiquement, tu es en mode automate. Finalement, qui es-tu? Qui es-tu? Donc, pour continuer sur mon histoire encore, finalement, je pars. Je décide de partir, mais entre-temps, il m'avait appelé pour me dire, quand je reviens en septembre, il faudra qu'on parle. Je lui ai dit, mais non, mais si c'est pour m'annoncer une mauvaise nouvelle, je crois que ce n'est pas nécessaire d'attendre septembre. Il a réfléchi, 2 jours après, il me rappelle, et il me dit, je vais t'avouer, en fait, je ne reviendrai pas. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai écouté attentivement. Pour l'instant, j'étais dans le silence. Enfin, je suis restée dans le silence. Et je lui ai demandé, mais tu es amoureuse? Il m'a dit oui. J'ai dit ok. Il m'a dit ok? J'ai dit ok. Il m'a dit, tu ne dis plus rien. J'ai dit, non, non, je vais raccrocher pour digérer. J'ai raccroché, j'ai appelé ma famille, j'ai appelé tout le monde, je leur ai annoncé la nouvelle que c'était terminé, etc. Et en fait, j'ai réagi très, très sereinement pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai très vite réalisé que cette année, l'année où je suis restée seule avec mes enfants m'avait préparée à ça. Si les choses s'étaient passées d'une autre façon, je pense que je n'aurais pas été prête ou que j'aurais réagi différemment. J'étais prête à rester seule avec mes enfants. J'étais prête. Cette année-là m'avait donné les clés, l'organisation pour faire seule. J'ai dit OK. Quand j'ai dit le OK, c'était avec sérénité. J'ai compris à ce moment-là que la vie ne fait jamais rien par hasard. Il n'y a pas de hasard. Les choses ne se font jamais par hasard. La vie m'avait préparée. J'étais prête. OK. Quand mettez ça en l'aide au moins, m'en parler, on doit aller. La deuxième raison, c'est que quand il m'a dit, pourquoi je lui ai posé la question, est-ce que tu es amoureux d'elle? C'est tout simplement parce que j'ai visualisé un vase.
si son vase est plein, c'est-à-dire il est rempli d'amour pour elle, à quoi cela pourrait me servir de me battre contre ça? Je pourrais crier, aller prendre une corde et me mettre au fond du jardin, sauter d'un pont. En fait, ça ne servait à rien parce que son vase était rempli de quelqu'un d'autre. Et donc, même si je venais et je pouvais donner toutes les explications qu'il fallait, je n'avais plus de place dans ce vase. Et à un moment donné, j'ai compris très très vite aussi, à ce moment-là, qu'on ne peut absolument rien faire contre la volonté des autres et contre les sentiments des autres. La vie se charge du reste, par contre. Se battre contre le sentiment de quelqu'un que je vais vous expliquer, que ce soit de l'amour, que ce soit de la haine, etc. Ça revient à se justifier, ça revient à prouver que l'on est, que l'on a de la valeur, que on n'a rien à prouver en fait. Tu n'as rien à prouver. La personne ne t'aime pas, c'est son choix, ce n'est pas le tien. L'amour qu'elle n'a pas pour toi ne te représente pas. Ce n'est pas toi. C'est son sentiment à elle. Donc à un moment donné, je refuse de prendre le sentiment des autres et de le mettre sur mon dos et de décider que c'est à moi et que c'est moi qui dois le porter. Non. Je refuse. Ce n'est pas à moi de faire ça. Cette partie de ma vie a été quand même douloureuse. Douloureuse, oui. Parce que je ne m'attendais pas à vivre des amours comme ça. Comme je te l'ai expliqué au départ, pour moi, l'amour, c'est simple. C'est un sentiment réciproque. Et en fait, j'ai compris aussi à travers tout ça que, au bout d'un moment, à trop regarder les défauts des autres, faut se poser la question de est-ce qu'il y a encore de l'amour ou pas? Parce que sinon, ça dérape et ça dégénère en autre chose. Et là, la violence démarre. Je crois que quand ça commence, il vaut mieux s'en aller. Tout simplement. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. On ne peut pas tolérer la violence, ce n'est pas possible. On parle énormément de violence physique. Les violences morales sont aussi destructrices. Je ne dirais pas plus destructrices parce que je ne le pense pas. La violence physique, c'est un traumatisme terrible. Par contre, oui, la violence morale existe. Répéter les mêmes choses tous les jours pour te faire croire que tu n'es rien, que tu n'as aucune valeur et que tu n'es capable de rien alors que tu as des objectifs, que tu as une vision des choses et que tu as reçu une éducation qui permet d'ouvrir d'autres champs. Tu as une mission en fait. Et l'autre est là juste pour te faire croire que tu ne peux rien faire. Et à un moment donné, il faut poser les choses et réfléchir à qui tu es, à qu'est-ce que tu veux et est-ce que ça, en fait, c'est de l'amour. Quelqu'un qui te répète sans cesse tous les jours que il faut que tu fasses un régime, pourquoi tu as fait cuire les choses comme ça tout le temps, mais non. Et puis finalement, la part de positif, le positif, il est où? L'amour, tu sais, le truc, l'essence de... Je ne dis pas qu'on vole. On est sur un nuage tout le temps, c'est pas ce que je dis. Mais tous les jours, avoir des reproches comme ça et vivre de la violence psychologique, vraiment, je vous assure que ce n'est pas normal. Ne prenez pas ça pour une normalité, ça ne l'est pas. Et j'aurais aimé vraiment que ça cesse parce que je parle surtout aux mères de famille. Attention, tes enfants te regardent. Tes enfants te regardent et voient ce que tu fais, comme ils regardent le père,
ils vous regardent aussi, hein? Les enfants vous regardent aussi. Et en fait, ils sont en train d'absorber tout ce que vous leur donnez à voir. Tout. Vos relations, la relation qu'il y a entre vous, l'entente ou pas, l'organisation, l'éducation. Et ça, je vais y revenir parce que. Alors, je parlais d'éducation. J'ai lu un post cette semaine qui m'a interpellée, qui parlait de féliciter les pères qui s'occupent de leurs enfants. Et je me suis dit, non, on n'y est pas du tout, en fait. On n'y est pas du tout. On en est loin. Dans ce post, il est question de justification du comportement des pères suite à l'esclavage. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec ça. Justifier tout ce qui se passe avec quelque chose qui remonte et donc faire croire que les pères ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, ils ne peuvent pas prendre les responsabilités, on ne devrait pas dire ça, carrément. Il y a des conséquences à l'esclavage. D'accord. Mais ces comportements-là ne sont pas justifiés. Dans ce poste, il était question, comme je l'ai dit, de féliciter les pères qui s'occupent de leurs enfants. Pourquoi féliciter les pères qui s'occupent de leurs enfants? En fait, c'est tout à fait normal de s'occuper de son enfant. Ça devrait être normal. Maintenant, je vais revenir sur la question familiale et d'éducation. J'ai déjà entendu dire certaines personnes, enfin beaucoup, oui, mais ils s'occupent de ses enfants. Mais en fait, à la base, une famille, ça devrait être réunie au même endroit. Normalement, le concept de famille, c'est ça, le modèle familial, ce qu'on appelle le modèle familial. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que d'un côté, il y a la mère qui a reçu une éducation. Une éducation, une vision des choses qui a, en fonction de ses parents, qui eux-mêmes ont vécu des choses. Nous sommes d'accord jusque-là. Il y a le père qui a vécu des choses, lui aussi, et qui a reçu une éducation de personnes qui ont eux-mêmes vécu des choses. Donc, ces personnes sont dans deux mondes. Ils ont un enfant. Ces personnes ne s'entendent plus et se séparent. Je suis d'accord, le père s'occupe de son enfant. Il n'y a pas de souci. Par contre, l'enfant sera entre sa mère qui a son vécu et d'un autre côté, on a le père qui a son vécu et qui va éduquer l'enfant également. Et puis, il y a la société. Et puis, il y a les autres qui vont demander à cet enfant d'être d'une façon. Donc maman te demande d'être d'une façon, tu es avec maman d'une façon. Papa te demande d'être une face d'une façon, tu es avec papa d'une autre façon. Et puis finalement, la société te demande d'être d'une autre façon. Donc on demande déjà à l'enfant minimum d'être trois personnes. Je veux vraiment que tu prennes le temps de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Et si ce modèle-là est l'idéal pour les enfants? Bon, je reviens puisque le portable était déchargé. Ben, alors, moi, qu'à aller, donc il fallait que je le remette en charge. Bref, je parlais d'éducation. Donc, je parlais de l'enfant qui se retrouve entre trois entités, finalement, les deux parents, la société qui lui demande d'être quelqu'un. Donc, et finalement, personne ne s'est jamais intéressé à ce que l'enfant voulait, à ce que l'enfant a envie de devenir, parce qu'en fait, on se retrouve tellement dans des situations des fois graves, parce que les parents n'arrivent pas à s'entendre, parce que les parents se retrouvent à se chamailler sur la garde de l'enfant, sur non, je ne suis pas d'accord avec toi, non, moi je veux ça, etc. Que finalement, l'enfant est au milieu de tout ça. On est plus en train de se focaliser sur les problèmes que sur la construction de l'individu. Et vraiment, je tenais à en parler parce que ça devient un très, très gros problème
aux Antilles-Guyane. Et je vais rappeler que les derniers chiffres de l'INSEE ont montré que Martinique et Guadeloupe, nous avons 50% de familles monoparentales. Il y a aussi des pères en famille monoparentale. C'est le plus haut score de la France. Alors, je veux bien comprendre, des chiffres restent des chiffres. Les chiffres nous permettent d'avoir une base. 50% de familles monoparentales. Ça veut dire quoi? 50% de chances que ces familles, dans ces familles-là, il n'y ait pas de leader. Qu'il n'y ait pas de construction de leader. C'est-à-dire que petit à petit, d'accord, tranquillement, nous sommes en train de créer des générations qui vont se poser des questions sur qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont en train de devenir. Et je tire la sonnette d'alarme dessus. Parce que il faut que nous puissions créer, arriver à comprendre qu'il faut développer une intelligence parentale, une entente parentale pour une construction commune. Alors que des parents ne s'entendent pas, je peux comprendre, mais qu'on se contente de se dire que « Ah, c'est pas grave, de toute façon, maintenant, de plus en plus de pères s'occupent de leurs enfants. » Mais ça ne devrait même pas arriver dans nos bouches, en fait. Et je suis désolée de parler comme ça, c'est de la médiocrité que de penser ça. Et de penser que nous pouvons nous contenter de ça. Je parle, quand je dis « nous », je parle de notre culture. Nous sommes en train de détruire les générations futures parce que nous sommes en train de nous contenter de ce qui arrive. Parce qu'en fait, vous savez, l'esclavage, c'est encore frais, c'est encore... Non, réfléchissons. Essayons de trouver une entente, quelque chose qui puisse nous permettre de former des enfants réfléchis, des enfants qui puissent comprendre que même si papa et maman sont séparés, papa et maman arrivent à s'entendre pour lui, et qu'on va l'aider à se construire et à se réaliser. Ça devrait être simple en fait. Vous avez réussi à faire un enfant ensemble. Vous devriez comprendre que cet enfant est la priorité. Ce n'est pas toi, ce n'est pas lui. Parce que vous ne représentez plus, on ne représente plus le futur. On est là pour les guider, pour les élever. Et pour qu'ils prennent notre relève, s'ils en ont envie d'ailleurs. Peut-être qu'ils n'ont pas envie du tout de prendre notre relève, mais est-ce qu'on leur pose la question aux enfants? Et ça aussi, c'est un gros problème. La parole donnée aux enfants, est-ce qu'on leur donne la parole? Non. Il y a une expression qui est, je dis une expression, un terme qui est employé et qui est direct sans paix. Mais ma paix! À quel moment les enfants parlent, s'expriment et à quel moment est-ce que vous prenez ce temps-là en fait de discuter avec vos enfants, de savoir ce qu'ils ont envie, de quoi ils ont peur, qu'est-ce qui les angoisse dans la vie, Prenez le temps de réfléchir à tout ça, à tout ce que c'est en train de générer et de créer. Et je vous assure, prenons le temps de réfléchir à tout ça. Et à ce qui est en train de nous arriver. 50% de familles monoparentales en Guadeloupe et en Martinique. Pourquoi ce chiffre? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas s'entendre? On n'arrive pas à s'entendre? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce simplement une question d'éducation? Et ça, j'y reviendrai. Et ça, j'y reviendrai sur une autre vidéo parce que c'est un autre pan qui va me prendre du temps. Je préfère... Ça, c'est mon petit chien choupi, mon caniche. Je vais vous raconter leur histoire un jour aussi. Mes chiens, qui ne m'ont jamais abandonné. Et donc, à un moment donné, voilà, je me pose des questions sur le futur de ces enfants, sur ces femmes qui ne peuvent pas refaire leur vie parce qu'on ne leur donne pas de chance, parce que, voilà, elles ont déjà des enfants. Et que donc, entre guillemets, elles sont souillées. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on a traversé. Ce sont des épreuves qui font ce que nous sommes actuellement. Et je vais parler de moi, je vais parler peut-être pour d'autres femmes. Mais je n'ai pas à avoir honte de mon histoire. J'ai vécu ça. Et c'est grâce à tout ça que je suis celle que je suis maintenant.
quand un homme me dit que je ne suis pas en fait, mais que j'ai 4 enfants, mais à aucun moment il ne me viendra de mettre mes enfants dans un sac et de les mettre dans une rivière ou au fond de la mer. Mes enfants étaient là avant toi. Mes enfants sont là, ils sont ma priorité. Tu n'es pas ma priorité. Et donc, il faut être, pour moi, il faut être, je suis très ferme dessus. Je suis désolée parce que j'ai tellement entendu des choses pour moi qui sont dénuées de sens, qui sont aberrantes, que je me dis maintenant, il faut crever l'abcès. Il faut en parler, en fait. Nous sommes là, nous sommes des mères de famille. Nous éduquons nos enfants. Même si le père est là et qu'il éduque les enfants, il n'y a pas de souci. Mais la majorité du temps, tu es là et c'est toi qui t'occupes de tes enfants. C'est toi qui te réveilles le soir et qui t'occupes des enfants pour les soigner quand ils ont de la fièvre, quand ils ne vont pas bien, quand ils font des terreurs nocturnes. Et donc, par rapport à tout ça, je parle par rapport à tout ça, pas seulement, on doit te respecter. Tu mérites le respect. Et donc, tu ne peux pas laisser les autres te parler n'importe comment et agir n'importe comment avec toi. Parce que tu as besoin de ton énergie pour faire grandir tes enfants en toute simplicité, avec tout l'amour dont ils ont besoin, avec de la compassion, avec l'apprentissage du pardon, avec l'apprentissage des grands principes et des grandes valeurs de la vie. Tu as besoin de ton énergie pour tes enfants. Et donc, si quelqu'un arrive et te dit que tu n'en es pas capable ou que sais-je, non, tu n'as pas de temps à perdre parce que ton énergie est réservée à l'épanouissement de ceux qui te sont proches. Donc, ceux qui te sont proches, ce sont tes enfants et toi. Et je vais terminer sur une chose en disant que, en tant que maman, et je vais élargir en tant que femme, et vraiment, je fais un appel à toutes les mamans et à toutes les femmes, parce que je considère que toutes les femmes et toutes les femmes en général, ce sont des éducatrices. Vous êtes des modèles pour les enfants. Et encore une fois, je ne parle pas de potomitan. Je parle qu'une femme est capable de porter la vie. Et qu'une femme a le sens de la maternité. Le sens, l'intuition maternelle, voilà. Ce sont des choses qui sont en nous. Et il faut pouvoir respecter ce sens. Tu es un modèle, tu es une éducatrice pour les autres. Donc ça veut dire que plus tu te sentiras bien dans ta vie, dans ta peau, dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme, et plus tu vas véhiculer ça aux enfants qui sont dans ton entourage. Et faites l'expérience, voyez. Quand vous vous réveillez de mauvaise humeur, toute la maison est de mauvaise humeur. Quand vous vous réveillez de bonne humeur, réveille-toi d'humeur égale. Aide-toi de tes enfants. Aide-toi de tes neveux. Aide-toi de tes petits cousins. Aide-toi des enfants. Les enfants ont cette énergie spontanée, innocente et magnifique, d'une simplicité qui peut t'aider en fait à dépasser ça. Et c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui m'a permis de dépasser toutes ces épreuves? Et j'en ai eu. C'est l'énergie de mes enfants. Parce que quand j'ai compris que l'enfant est innocent et spontané, et que tout ce qu'il demande avec une grande simplicité, c'est qu'on l'aime et qu'on ne l'abandonne pas, j'ai compris que les enfants pouvaient m'apprendre le lâcher prise. Et donc je les ai observés, je les ai imités dans leur façon de fonctionner. Ils se réveillent le matin, il fait beau, il pleut, waouh, la vie est belle. Quand tu captes cette énergie en fait, tu te rends compte que ouais, ok. Au fur et à mesure, tu te réveilles et tu dis ok, les enfants aujourd'hui, on va faire ça. La vie est belle, la journée sera bonne. Ok maman, on y va. Compte sur tes enfants. Compte sur eux. De la même manière que tu peux compter sur eux, ils peuvent compter sur toi. C'est un apprentissage, c'est un échange, c'est un partage. Tu peux compter sur eux comme ils peuvent compter sur toi. Les épreuves vont arriver, pas de souci.
Pleure, pleure une journée. Pleure toutes les larmes de ton corps. Pleure. Le lendemain, relève-toi. Regarde tes enfants, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi parce qu'ils ont besoin de toi, parce qu'ils ont besoin que tu réalises tes rêves et qu'ils puissent vivre tes rêves avec toi pour qu'ils puissent croire aussi que eux aussi ils pourront rêver quand ils seront grands. Ils ont besoin de toi parce que tu es leur richesse. Et que ce que les autres disent de toi à l'extérieur, ce que les autres pensent de toi, ce que les autres te font, ça n'a aucune importance. Écarte ces personnes de toi. Parce que tu as de la valeur. Parce que tu es merveilleuse. Parce que tu as donné la vie et que tes enfants sont là. Et tes enfants ont besoin de toi. Ils ont besoin de cet amour. Les autres ne veulent pas de ton amour. Il n'y a pas de souci. Qu'ils quittent ton chemin ici et maintenant. Mais tes enfants, donne-leur l'amour dont ils ont besoin. Tu verras comment ils vont te le rendre au centuple, au tout ce que tu veux. Focalise-toi sur tes objectifs. Focalise-toi sur tes objectifs. Regarde tes enfants pour avoir cette force. Et je t'assure que tu vas sentir une autre énergie. Regarde cette énergie. C'est une énergie puissante, l'énergie des enfants. Et vous comprendrez pourquoi il y a tout ce qui se passe aussi. L'énergie des enfants est une énergie puissante qui nous apprend énormément de choses parce ils arrivent. La vie est belle. Un enfant va tomber, tu vas le soigner, il va pleurer, mais regarde juste le fait de commencer à le soigner, de t'occuper de lui, de le rassurer. Regarde comment il est déjà apaisé. Et puis quelques jours passent, il reviendra sur le bobo. Pourtant, il a la cicatrice, hein? La cicatrice est là de l'enfant, hein? Mais il n'y pense pas parce que papa ou maman l'a soigné. Et nous avons des blessures et nous les traînons 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je ne dis pas qu'une blessure ne fait pas mal, je comprends. Je comprends. Mais à un moment donné, cette blessure, en fait, devient tellement immense à l'intérieur qu'elle crée une éplosion et qu'elle prend plus de place que toi-même. Et elle prend tellement de place qu'elle prend la place sur toute ta vision de la vie, en fait, et tout ce que tu as à accomplir et à faire. Sèche tes larmes. Prends un papier, écris ce que tu as envie de faire maintenant, ce que tu as envie de faire demain, comment tu te projettes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Demande-toi qui tu es. Chaque geste que tu feras, chaque chose que tu choisiras, par exemple quand tu vas faire tes courses ou peu importe, demande-toi si tu le fais par rapport à ce que tu as envie, à tes propres sensations, tes propres envies, ou c'est parce que c'est quelqu'un qui t'a dit j'aime ça. Est-ce que tout ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres? Commence par toi. Commence par toi, aime-toi. Tu sais, je vais te dire quelque chose de très simple. Mon fils a 8 ans, il m'a dit une phrase magnifique. Comment fais-tu pour aimer les autres si tu ne t'aimes pas? Ce n'est pas possible. C'est une équation qui n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Prends soin de toi, aime-toi. Tu n'as pas de force, tu n'as pas d'énergie aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Explique-le à tes enfants. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. Maman ne se sent pas bien aujourd'hui. Papa ne se sent pas bien, les enfants. Je ne suis pas bien, j'ai envie. Les enfants comprennent tout. Il faut juste leur donner les mots, pouvoir leur expliquer, prendre le temps de discuter avec eux. Donnez-leur la parole. Vous serez tellement surpris. Tellement surpris de savoir que l'enfant a déjà tout compris. Depuis bien longtemps, mais on lui cache des choses. Je lui dis, mais non, il ne va pas comprendre. Il va pas comprendre, il est trop petit. On chambre à comprendre toute bagaille. Et ça, encore une fois, pour moi,
c'était déjà permettre en fait de ne pas donner la parole aux enfants, de ne pas mettre l'enfant au centre de la famille, c'est déjà commencer à détruire en fait le futur. Parce que l'enfant qui n'a pas la parole, l'enfant qui ne développe pas sa parole et son intellect, c'est quoi son futur? Parlez à vos enfants. Dès son ventre, d'ailleurs, si vous le voulez, c'est hyper important. Et bien, je vais revenir dessus sur une autre histoire, sur l'histoire de ma plus grande. Une autre fois. C'est précieux. Les enfants sont précieux. Et j'aurais aimé que dans notre culture, maintenant, là, tout de suite, on comprenne que attention à ce qu'on est en train de faire. Les enfants, c'est le plus beau trésor qu'on nous donne, en fait. Et que ce soit nos enfants ou les enfants des autres. Et je reste persuadée que quelqu'un qui ne respecte pas les enfants et qui n'aime pas les enfants, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les gens et la vie en général. Les enfants, c'est demain. C'est eux qui seront demain, qui seront là et qui prendront la relève et qui feront exactement ce qu'on leur aura enseigné et ce qu'on leur aura transmis. Qu'est-ce qu'on met comme souvenir dans la tête de nos enfants? Alors, pour comprendre ce que je suis en train de dire, je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais te demander de fermer les yeux. Vraiment. Ferme les yeux. Et je vais te demander de te remémorer ton plus mauvais souvenir d'enfance. Oui, c'est dur. C'est dur de replonger dans son enfance, de se dire, waouh, j'ai vécu ça. N'ouvre pas les yeux encore. Je vais te demander maintenant de te remémorer ton meilleur souvenir d'enfance. Le meilleur, le plus beau, celui que... Maintenant, par rapport à ce que nous venons de faire, je veux que tu comprennes que nous, en tant qu'adultes, nous sommes des créateurs de souvenirs. Si tu as toujours ces souvenirs en tête, sache bien que plus tard, quand les enfants, nos enfants seront adultes, ils auront eux aussi des souvenirs d'enfance. Qu'est-ce que nous avons envie de créer dans leur tête là maintenant? Moi, je veux que du bonheur, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, parce que je les prépare, je leur explique, voilà, le monde est fait comme ci, comme ça, etc. Je n'essaye pas de cacher les choses. J'essaye d'amener les choses avec sérénité en leur expliquant, de toute façon, il y a une solution. On va vivre des épreuves, clairement. Mais qu'est-ce qu'on fera? On va pleurer ou on va continuer? On va continuer, maman. Alors prenons ça en compte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenons soin de nos enfants. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Voilà. En plus, je vais m'arrêter. C'est le bon moment parce que mes enfants sont en train d'entrer dans la chambre. Je te souhaite beaucoup de sérénité. Que tu trouves l'apaisement à l'intérieur de toi. Pour que tu puisses transmettre cette sérénité autour de toi. C'est hyper important. Transmettons. Nous sommes dans la transmission. Transmettons quelque chose de serein, de beau, de positif. Comme ça, nous allons créer du positif. Allez, à bientôt. Ciao.
things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Some things will never change.